La tulipe est la fleur emblématique du mois de mars. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer vos fleurs pour obtenir un bouquet qui va durer bien longtemps. L'étape principale, c'est le nettoyage des fleurs. Donc, vous ouvrez la botte et ensuite, on retire toutes les verdures qui pourraient tremper dans l'eau. Ceci provoque des bactéries qui nuisent à la longévité des fleurs. Attention, les fleurs coupées de la grande distribution sont bourrées de pesticides, alors ne les mettez surtout pas sur votre compost. Évacuez-les dans vos sacs verts de déchets. Pour gagner du temps, je les mets les unes sur les autres. Je retire tout ce qui est un petit peu mou ou bien abîmé. Pour changer un peu, j'ai décidé de faire un bouquet à l'intérieur du vase. Donc je vais recouper toutes les tiges à la même longueur. Voilà. Je recoupe tout à la même longueur. Je lie mon bouquet. J'essaye. Encore un peu trop long. Alors, j'avais envie de mettre des fleurs dans le fond. Pour bien garder votre bouquet longtemps, changez l'eau régulièrement, tous les deux jours, de l'eau bien fraîche et ne mettez pas votre bouquet à côté d'un radiateur ou autre source de chaleur. Pour finir, une petite astuce de fleuriste. Si vous aimez les tulipes qui restent bien droites, c'est vraiment très très simple. Vous prenez une petite aiguille de couture et vous transpercez sous la corolle de part en part. Voilà, tout simplement, vous faites ça avec toutes vos fleurs et votre bouquet va rester bien droit. Voilà, en attendant, je vous souhaite un joyeux printemps. Soir Mag, curieux de tout.